What's up les Reyos? Donc aujourd'hui on est vendredi. Vendredi combien? Vendredi 23 je crois. Vendredi 23 mars. Donc direction la pesée. Finale France IFBB. Donc voilà, on avait fait la demi-sud IFBB à, la semaine dernière. La semaine dernière c'était où déjà? Brignoles. À Brignoles, donc dans le Var. Et là la finale, on a été qualifiés tous les deux. Donc pour la finale, la direction Saint-Chamond à Saint-Étienne. Donc là départ de Nice. Départ de Nice, on a plus ou moins 4 heures de route. Il est 13h. La pesée est entre 15h et 20h. On espère pas faire de retard. Ouais, ça va être chaud. On est toujours en retard, ouais, c'est grave. Hein. Je te jure, les sudistes. Bon, les Reyos. Les sudistes, ils sont toujours en retard. Ils sont désirés. Bon, les Reyos, on va faire la route. On se retrouve là-bas. Inch'Allah, comme on dit. Let's go. Le mec, genre, tu connais les paroles alors que tu les connais pas. On va tout casser. I've been quiet for so long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point. On va s'arrêter sur une petite aire de repos au calme. Franchement fatigué sur la route. On mange un peu en recharge. Patate douce. Riz. Banane. T'as dit quoi? Elle est là-bas devant. Franchement, on est éclaté. La voiture, il faisait grave chaud. Ça a l'air dégueulasse comme ça. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est bon. Banane, patate douce, riz. Franchement, ça donne bien. Hein. Non? Hein? Je vais mettre à côté de toi. Vas-y, mets-toi à côté de moi, il y a de l'ombre. Vas-y, viens. Fais gaffe, mais t'as du soleil, t'as du soleil. Ouais, c'est bon, c'est tu sais, je mets ici là. Non, mais toi là, vas-y. On va dire à toutes les Reyos. Petite pause bouffe, petite pause recharge. Pour taper des gens, les gars. Moi, je suis fatigué, franchement. Vas-y, je suis pas au. Donc bien arrivé à Saint-Etienne. On n'a pas trop filmé l'arrivée, la pesée, etc. Parce qu'on n'a pas trop le droit de filmer là-bas. Et à l'hôtel, on a vraiment un hôtel tout pourri, je vais vous montrer après ça. Et nous on passe demain dimanche, aujourd'hui on est samedi. On passera demain et on va tout casser. Là on va faire le tan, on est samedi soir. Donc je vous montre un peu la chambre parce que j'ai pas eu l'occasion de vous la montrer. C'est un peu le bordel. Elle est vraiment petite hein. Pour ça je voulais pas montrer. Elle est superposée en haut. Elle est double. C'est le bordel. Vas-y montre un peu la condition frère. La lumière elle est pétée. On va décider de passer en body. Parce qu'on est trop lourd. Bref, Champagne, let's go baby. Bon les Reyos, on va se tanner, let's go. C'est parti. On check la condition, tout est ok, let's go. Pas mal du tout.
Donc on a pris la route direction compétition. Il est 11h, la compétition a commencé à 10h, mais nous on passera vers 15h. Peut-être un peu plus tard, peut-être un peu plus tôt. Let's go les Reyes. Oh,
Bon les Khayos, compétition terminée. Là on va rentrer à la maison, on va prendre la route. Et bonne expérience, bonne compétition. Force à tous les gagnants, force à tous les perdants. Et on se revoit très vite les Khayos. Bon les Khayos, donc petit retour de fin, de vidéo. Donc, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, on voit que mon passage, le passage de Marwan. Sur mon passage individuel solo, le posing solo. Et sur les comparaisons du top 6. Donc pourquoi il n'y avait que le top 6 en fait? Déjà rapide, rapide débrief. Déjà voilà, il y a les, il y a la demi-finale sud et la demi-finale nord. Donc du coup ils retiennent les 6 premiers, on va dire le top 6 du sud et les top 6 du nord. Ouais. Et du coup ils rassemblent pour la finale de la France. Ouais. Donc du coup là on était 12 sur le plateau, ouais, donc les 6 du nord et les 6 du sud. Et donc du coup là ils ont retenu, donc voilà dans la vidéo, là on a le passage juste du top 6. Ouais, dans un premier temps on passe les 12 tous voilà. Ensemble. Et ensuite ils en retiennent que 6, et on va dire c'est les 6 premiers. Et ils ont le privilège en fait de faire leur passage solo, individuel, voilà, tout seul. Et après il y a les juges qui les partagent, c'est qui le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au sixième. Ok. Donc voilà, et juste donc, par du coup, rapport à le premier passage là, le premier passage où il y a tous les athlètes, les 12, et ben on n'a pas pu le filmer en fait, il n'y avait personne pour nous filmer quoi. Clairement il n'y avait personne pour nous filmer, on était tout seul, il n'y avait personne qui nous a filmé. Donc du coup bah, malheureusement c'était le passage où on aurait pu voir Sofiane. Donc du coup bah, on l'a pas. Et là bah, on vous propose que ce passage là où moi je passe sur le top 6. Et le passage individuel, posing tout seul. Et la comparaison et la remise de prix. Donc du coup Sofiane qui m'a filmé, il s'est précipité vu qu'il n'a pas été retenu sur le top 6. Voilà, c'est ça. Et il m'a filmé. Juste je tiens à rappeler en fait, moi, donc Sofiane, j'ai fait deuxième à la demi, ouais. Et j'ai pas été retenu à la finale. Donc du coup en fait franchement on s'attendait vraiment pas. Et donc voilà la fin de la compétition, voilà, la fin de voilà quand même Marwan a été récompensé etc. Voilà, on est parti voir en fait. Voilà fin de la compétition, on est parti voir un peu les juges et ils nous ont dit que apparemment ils m'ont jugé que j'étais trop gros pour cette catégorie. Franchement, je. Après, on va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails, mais ils ont dit ça comme ça, bizarre. Donc on sait pas, c'est un peu bizarre. On est un peu déçu du classement, etc. Mais voilà, on va pas trop s'attarder sur ça. On espère que la vidéo vous aura plu. Là, on vous a fait un débrief rapide pour pas trop s'attarder sur ça. Je fais 5ème. Du coup, je fais 5ème. Sofiane, il n'est pas classé, malheureusement. Et en plus, on sait et même voilà. Pas. On sait même pas, j'étais combien finalement. Ouais, sur les 12, on sait pas. Ouais. Parce que là, en fait, dans tout ce qui est demi et finale, ils mettent pas le classement. Peut-être à l'Europe, ils mettent que le classement pour le 6ème. Là, ils mettent juste le top 6, c'est-à-dire qu'en gros, on vient les 12 sur scène. Et voilà. On retient que 6 et des 6, c'est pour le classement. Tu fais ta comparaison et après, ils retiennent tes 6. Et en gros, les autres 6, entre guillemets, ils vont se faire foutre. En gros, c'est ça. Voilà, on vous a fait ce genre de vidéo là pour vous montrer un peu comment ça se passe les compétitions. Pour ceux qui s'intéressent un peu sur les compétitions. Donc voilà, on espère que vous allez apprendre des choses en fait à travers ces vidéos là. Et voilà. Donc voilà les Khayos, malgré ça, ça reste une très belle expérience. Nous, en tout cas, pour notre part, on a appris pas mal de choses. On n'en sort que grandi de ça. On espère que vous, bah, à travers cette vidéo là, pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est compétition de bodybuilding, etc., vous allez apprendre pas mal de choses. Donc si vous aimez, si toi t'aimes la vidéo Khayos, tu mets un like. Si t'aimes pas, bah, tu mets un dislike. Et si tu veux rien rater par rapport à toutes les vidéos qu'on va mettre sur cette chaîne là, n'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qu'on va mettre dans la description. Instagram, Facebook, ouais. Snapchat. Tu connais les bails. Tu viens de nous rejoindre Khayos. On est là, on est ensemble. Ça va être lourd. On se laisse sur ça. À tout, chez les Khayos.